Bonjour et bienvenue chez nous à Tamoussiné. Aujourd'hui, je suis tout seul. J'oublie ce que je voulais dire. Oui, je suis tout seul aujourd'hui parce que on a de la visite à la maison. Il y a mon beau-père qui est chez nous, donc madame, elle veut passer du temps avec son papa. Sinon, désolé pour jeudi passé, on devait en faire une. Ben, Get Out, il n'est pas passé dans notre région. Il y avait braquage à l'ancienne, malheureusement je bossais de nuit. J'ai fait une petite sieste pour aller avant d'aller à la séance d'après-midi, je ne me suis pas réveillé. Voilà. Et on est là aujourd'hui pour le film Alien Covenant. Un film de Ridley Scott, suite directe de Prometheus. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film? Alors, Ridley Scott, il a réalisé Alien, le tout premier du nom, le huitième passager, qui était un bon film, qui a lancé une saga de quatre épisodes. Je sais que le 2 a été réalisé par James Cameron, le 3, je me rappelle pas le nom du réalisateur, le 4, si je dis pas de conneries, c'est Jeunet, production française, réalisateur français. Les 4 sont bons avant l'arrivée de Prometheus. Pour ne pas faire long sur Prometheus, c'est un film qui a coûté 150 millions. La Alien Covenant, le titre, il n'a pas été traduit, devait s'appeler Alien Paradise Lost, est devenu Alien Covenant. Je pense que ça sonne mieux Alien Covenant que Paradise Lost. Quand on connaît l'univers d'Alien, on voit pas le rapport avec le paradis, qu'il soit perdu ou pas. Le budget, moi j'ai trouvé sur deux sites, il y en a un qui dit qu'il a coûté 111 millions, il y en a un qui dit qu'il coûte 130 millions, alors que Prometheus coûte 150. C'est logique, vu que c'est une suite directe, il y a pas mal de décors utilisés dans le premier qui vont servir dans celui-là. Bonne ou mauvaise nouvelle, j'espère que je vais pas m'endormir devant le film s'il est mieux que Prometheus. Il y a trois suites qui vont suivre ce film. Donc c'est le début d'un film sur quatre. Et je vous dis à tout à l'heure. Et n'oubliez pas de l'abcès, likez, abonnez-vous, partagez avec le sourire. À tout à l'heure. Re-salut. Voilà. Je viens de perdre 2 heures de ma vie. Oui. Le film est une merde, une grosse bouse. Enfin, ils l'ont bien chié ce film. Bon, c'est censé être la suite directe de Prometheus, c'est encore pire. C'est un accident. C'est comme s'il y a un gars qui se perd en forêt et quelque temps après il y a un deuxième qui se perd, ils se croisent. Donc, je vais spoiler un peu, mais je vais rien dire de méchant. Même la fin, elle dit rien de spécial. Le film raconte rien de spécial. Il y a trois actes. Le premier acte, il est long, il est saoulant, il présente rien, il explique rien. Dans ce film, c'est un autre vaisseau qui part en expédition dans l'espace, sauf que cette fois, ils vont coloniser une planète. Je pense qu'ils ont copié sur le scénario de Passengers. Il y a à peu près 2000 personnes dans le vaisseau. Comment ça s'appelle? Une tempête solaire ou un truc comme ça, ces machins d'attaque qui endommagent le vaisseau. Comme par hasard, sur 2000 personnes, il n'y a qu'une dizaine qui se réveille. Les autres, ils sont en sommeil cryogénique. Ben, le temps de réparer ce qui est pseudo-réparable, ils se rendent compte qu'ils ont capté un message. Ils n'arrivent pas à le décrypter, mais il y a un gars, il reconnaît une musique, il leur dit ça c'est la musique de tel chanteur de terrien, donc ils se disent ça c'est quelqu'un de la planète Terre qui envoie le message. Et en analysant mieux la géolocalisation, même dans l'espace ça existe, et pourtant Google dans l'espace il va faire fortune. Ils se rendent compte que c'est le Prometheus. Donc, un, Prometheus, ils partent en expédition, aucun équipage ne savait où ils vont. Un projet qui a coûté 1 000 milliards de dollars. Ils ne savent pas où, ni comment, ni quoi faire. Là, on envoie une autre mission dans l'espace,
comme par hasard dans la même région, sauf que là les gens ils sont au courant qu'ils vont coloniser une nouvelle planète, mais ils savent rien sur Prometheus. Il a disparu il y a 10 ans, comme par hasard on détecte le message. Après, on dit toujours il faut apprendre de ses erreurs. Là, Ridley Scott, il s'est cru malin d'apprendre de ses erreurs, parce que si vous voyez les critiques de Prometheus, on critique comme quoi c'est des scientifiques qui n'arrêtent pas de prendre des décisions stupides, des gens qui sont formés pour une mission dans l'espace, mais une fois sur place, au moindre problème, ils font toujours ce qu'il ne faut pas faire. Là, il a eu l'idée. La bonne idée, c'est de faire des binômes à chaque fois. Donc, tu as toujours le mec, moi, je veux faire le truc stupide. Toi, tu es plus intelligent. Tu me dis, mais t'es con, tu vas pas faire ça, c'est dangereux, c'est machin. Et après moi, comme je suis toujours con, je dis, oui, mais si je fais ça, on a une chance de réussir à faire ce qu'on fait. Et l'autre, il dit, oui, c'est une bonne idée. Allez, alors on va essayer. Et bien sûr, comme c'était stupide à la base, ça finira par un résultat stupide. Ouais, presque à chaque décision, il y a un mort. Il y a pas mal de morts. Il y a du sang. C'est gore. Mais c'est pourri. Il y a des xénomorphes. Le vrai xénomorphe qu'on a envie de voir dans Alien, je spoil, il apparaît dans l'acte 3. L'acte 2, il est pourri. L'acte 2, il a le syndrome du jeu vidéo. Open world, parce qu'ils arrivent dans une planète, il y a des forêts, des montagnes, ça se balade, c'est à l'air libre. Style Jurassic Park 2, l'attaque des raptors dans le champ de maïs. Si c'est un champ de maïs. Ceux qui ont vu Jurassic Park 2 connaissent la scène, les herbes hautes, les gens qui courent, les raptors qui arrivent, c'est la même. Fassbender, il joue deux rôles, parce qu'il y a le nouveau robot, bah, vu que c'est un... Ah oui, non, ça je ne le dis pas, on oublie. Vous verrez, dès le début du film, on nous raconte l'histoire de la création du robot. Alors, première incohérence, aucun lien avec tout ce qu'on sait du Bishop dans Alien. Et il va croiser l'autre, celui qui a... Dans Prometheus, il y a deux survivants, le robot, David et Elizabeth Shaw. Là, ils vont la trouver, mais elle est morte. Ouais, je spoil. Ouais, je suis d'humeur, je spoil. Je vous dirai rien d'autre. Elle est morte. Une planète. Il y a des xénomorphes qui ne ressemblent pas encore aux xénomorphes qu'on a l'habitude de voir et qu'on a envie de voir. Donc l'attaque des raptors, les herbes hautes, tac. Il y a 2-3 morts. Il y a une sorte de contagion qui se passe un peu débile que je ne comprends pas parce que c'est un virus qui se balade dans l'air mais qui a l'air de se mouvoir et rentre par l'oreille alors que le mec il est en train de fumer une cigarette. Quand on aspire l'air, donc si ça flotte dans l'air, on l'aspire. Je vois pas pourquoi ça évite, ça vient, hop, et ça tourne et ça rentre par l'oreille. C'est pour faire un effet spécial. Parce que le film, il est en 3D, mais j'ai été voir la version 2D. Et je regrette pas. Je pense pas qu'elle soit fameuse, la 3D. Et ils finissent par trouver une sorte de civilisation anéantie. Ils sont morts, ils vont dans le château. Il trouve David. Là, David, ils ont un peu copié sur Assassin's Creed parce qu'il avait une cape, capuche pointue. Au début, dès que je l'ai vu, j'ai pensé à une scène d'Assassin's Creed. D'ailleurs, il y a pas mal d'allusions. Quand dans l'espace, il y a des plans à la gravité aussi. Tout ce qui se passe dans le vaisseau, c'est des pseudo-flashbacks de Alien, le 8e passager, surtout vers la fin. Alors, le troisième acte, c'est un combiné de Alien, le 8e passager, la scène finale de Alien 2, et j'ai pensé à un autre film, maintenant je ne me rappelle plus le titre. Des scènes à rallonge qui ne servent à rien, qui ne racontent rien. Ils essayent de faire dans l'émotionnel, alors que dès le début, le film y commence, il y a l'accident, il y a un gars qui est mort dans son truc, dans son congélateur, dans ses machines de cryogénisation. Et juste après, tellement je me faisais chier, j'ai chronométré, ça durait au moins 4 minutes 30. En fin de compte, c'est le mari de la femme. Elle parlait d'une cabane. Bon, après, bon, la discussion de la cabane dans le bois. C'est un setup payoff qui servira plus tard dans le film, qui révélera quelque chose.
Les setup payoff, c'est quand on te fait une scène qui on se dit qu'il n'a aucun sens et qu'après, dans le film, il y aura quelque chose, on va se dire, ah oui, maintenant je comprends mieux. Ouais, sauf que 1h40 après, moi je me faisais tellement chier que je veux. Oui, j'ai compris, mais ouais, c'était prévisible de toute façon. Quand on connaît le principe des setup payoff, on ne s'étonne pas à la fin. C'est une bouse, je le redis encore. N'allez pas voir ce film si vous voulez. Bon, je regrette de ne pas avoir été voir Get Out parce qu'il est à une demi-heure. J'aurais mieux fait d'aller faire une demi-heure de route pour voir Get Out. Parce que les échos que j'ai eu des amis qui l'ont vu, il est fameux. Braquage à l'ancienne, je l'ai raté aussi. Alien Covenant. C'est une merde, je vous le déconseille. N'allez pas le voir. Je pourrais en parler encore pendant 2 heures, mais il faudra que je spoil. J'ai pas envie de spoiler, j'ai pas envie de parler plus que ça de ce film. Ça fait déjà 8 minutes. C'est bon. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour. Celui-là, je l'attends. Le roi Arthur, la légende d'Excalibur. Et en plus, réalisé par Guy Ritchie. L'acteur Honeyman, c'est celui qui a joué dans Pacific Rim, ou pour les amateurs, il est dans la série Sons of Anarchy. Ce film-là, je viens de voir la bande-annonce au début. Il est top et je l'attends. Donc, d'ici là, passez une bonne semaine. On est mercredi. Donc, à la semaine prochaine. N'oubliez pas de l'abcé, likez, abonnez-vous, partagez avec le sourire. J'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous, mais n'allez pas voir Alien Covenant. Ciao!